coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim baraka ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan salli ala nabi Muhammad rasulullah alayhi salatu salam. Et on m'a demandé si justement je fêtais le Eid, qui n'est pas Eid, mais qu'on l'appelle Eid. Le Maulid Nabawi. Vous allez savoir dans cette vidéo. C'était mercredi et c'était programmé depuis le week-end dernier que ce mercredi, Inch'Allah, j'allais préparer un bon repas. Un bon repas pour faire plaisir à tout le monde et que bah, malgré que c'est la semaine, bon, s'il y a le mercredi, les filles n'ont pas école avec mon fils qui est au collège. Et je me suis dit, ben, je vais préparer un bon poulet, ça faisait longtemps. Voilà, et c'était le moment, c'était l'occasion de faire un bon repas. Alors, je pense que j'ai dû répondre quelque part à la question, parce que c'était mercredi et le Maulid, c'était jeudi, un jour après. Alors, non, je ne fête pas. Depuis qu'on sait qu'il ne faut pas fêter cette fête, on a décidé tout simplement de ne pas la fêter, voilà, et de faire uniquement les deux Eid qu'on a, c'est-à-dire l'Eid al-Kbir ou l'Eid al-Sghir, que j'aime bien dire ça, l'Eid al-Fatr, l'Eid du Ramadan, l'Eid al-Adha, l'Eid pour le sacrifice du mouton. Voilà, j'ai répondu aux personnes qui m'ont demandé. Non, je ne fête pas cette fête, parce que ce n'est pas une fête, tout simplement. C'est une dhikra, c'est-à-dire qu'on ne doit rien faire d'exceptionnel, hormis le Qur'an, sallallahu ala nabi, Muhammad rasulallah alayhi salatu salam, et stop, ça s'arrête là. Voilà. Alors, sans même avoir fait attention, j'ai fait un bon repas, j'ai fait des gâteaux, mais un jour avant, la veille, voilà. Et c'est quand je suis partie chez ma maman et qu'on en discutait, oui, puisque maman est rentrée, enfin, après de longs mois passés au Maroc, au soleil. Non, ça lui a fait du bien, et puis maintenant, ça, voilà, il était temps qu'elle rentre. On en a parlé, elle me dit, non, Binti, c'est jeudi. Elle me dit, il n'y a qu'un Eid, il n'y a pas un jour avant, un jour après, la lune, etc. Et elle me dit, non, c'est jeudi. Je dis, ouf, c'est bon, voilà, je pensais bien, j'étais pas sûre. Et puis voilà, et c'est aussi, puisqu'on en a parlé, c'est aussi en fonction de ton intention. Moi, c'était simplement un repas pour mes enfants, voilà. Et puis un petit goûter pour justement aller voir ma petite maman qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Ici, je vais faire des biscuits secs, très très simples. Je voulais changer des cookies, des gâteaux traditionnels. J'ai dit, c'est l'occasion, voilà, de faire de bons gâteaux et, comme je vous ai dit, d'aller boire le thé chez ma maman avec un bon thé, un bon... de la menthe, pardon, je cherche de la menthe qui vient tout droit du Maroc. Ici, je vais faire, comme je vous ai dit, des gâteaux très, très simples, rapides à réaliser. Franchement, c'est très, très simple, même... votre enfant peut vous aider, puisque franchement, c'est très, très simple. J'ai pris un grand plat, ma qassa, ou bien qassariya. J'ai mis 3 œufs. J'ai déposé aussi, j'ai versé 150 grammes de sucre en poudre. J'ai mélangé, on peut mettre de la vanille, ou pas, comme vous voulez, ou des zestes de citron ou d'orange. Là, c'est bientôt les oranges. Vivement l'automne, puisque c'est pas encore ça, malgré que c'est la saison. Bah, profitons de la chaleur qu'on a actuellement. Et je mélange bien, j'ai rajouté l'huile. Vous retrouverez les ingrédients listés en barre de description. Je finis par la levure et la farine. Il n'y a pas de beurre dans cette recette, mais de l'huile. Une fois que j'ai ramassé ma pâte, je vais venir la diviser en 3. On ne pétrit pas, juste on ramasse. Comme toute pâte sablée, là c'est une pâte sablée, à base d'huile, tout simplement. Je divise par 3. Ensuite, je réserve.
je vais laisser deux pâtes blanches. Et la troisième, je vais rajouter du cacao non sucré. Juste avant, vous m'avez vu faire le repas. C'est une recette que vous avez déjà dans ma chaîne. C'est du poulet à la marocaine, aux olives, djaj mahamar. Poulet rôti, tout simplement, que j'ai mariné la veille. Voilà, comme je vous ai dit, c'était prévu hein, déjà depuis un moment que je voulais faire un bon repas là pour ce mercredi. J'ai lavé mon poulet, je l'ai laissé égoutter et dans un saladier, j'ai préparé ma marinade avec de l'ail, 3-4 gousses d'ail, parce que ben, c'est quand même un bon poulet, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, du persil et de la coriandre avec de l'huile. Je mélange bien. Ensuite, j'en mets de partout dans mon poulet. À l'intérieur, à l'extérieur, entre la peau et la chair. Je mets dans mon saladier, je filme bien, je réserve au frais toute la nuit. Et comme ça, le poulet va être bien tendre et il aura beaucoup de goût parce qu'il va absorber toutes les saveurs des épices. Voilà. Ensuite, j'ai émincé le lendemain. Le mercredi matin, j'ai émincé un oignon assez gros. Voilà, sinon j'en prends deux. Quand ils sont moyens ou petits, quoi, même petits, j'en prends trois. On aime bien quand il y a pas mal de sauce, bah, surtout avec les enfants, ils aiment trop ça. J'émince très finement et je fais cuire dans un plat, dans une marmite. Avec de l'huile, je fais saisir mon oignon. Finement émincé, je rajoute de l'ail ou pas, c'est comme vous le souhaitez si vous aimez l'ail ou pas. Voilà, je fais revenir et ensuite je dépose mon poulet, je le fais saisir à feu très doux et comme j'avais mariné mon poulet dans une bonne quantité de marinade, j'avais fait exprès, comme ça me sert en fait pour la sauce aussi. Voilà, je le laisse saisir et ensuite de tous les côtés, on va dire. Et ensuite, je récupère la marinade en mettant de l'eau bien chaude à l'intérieur. Je verse et je recouvre mon plat. C'est vraiment très très simple. Si vous voulez la recette détaillée, elle y est. Déjà dans ma chaîne, vous mettez poulet, Laïlou Family ou bien Laïlou Family poulet en barre de recherche et vous allez retrouver toutes mes recettes. Je reviens à mes biscuits secs. Comme je vous disais, la troisième et dernière boule de pâte, j'ai rajouté du cacao non sucré. J'ai rajouté 2 cuillères à café. J'ai dissous un petit peu avec du lait. Voilà, 2 cuillères de lait aussi. Je mélange un petit peu. Et ensuite, je mélange à ma pâte. Je mélange bien pour obtenir une pâte chocolatée. Et ensuite, voilà, j'ai pris une boule de pâte que j'ai étalée. Alors moi, j'aime bien assez finement. C'est vrai qu'ils étaient assez croquants, pressés, comme vous le souhaitez, hein, si vous voulez que ça soit mou ou pas. Moi, je voulais vraiment des biscuits secs, hein. J'ai fait la même chose avec la pâte chocolatée. Ensuite, je superpose les deux. Je mets d'abord la pâte blanche. Ensuite, par-dessus la pâte chocolatée. J'étale un petit peu. Je vous disais que je voulais pas que ça soit trop épais. Et je finis par de la confiture, soit à l'abricot, soit à la confiture que vous avez à la maison. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Là, il me reste une troisième et dernière pâte, la blanche. Et je vais venir râper par-dessus. Voilà, et c'est pour ça qu'on a mis de la confiture pour que ça puisse coller à la cuisson et que ça ne part pas, que ça s'y émette pas, ça va bien s'enlever. Je râpe sur tout le dessus et ensuite je vais enfourner. Je vais faire la même chose avec le reste de pâte chocolatée, il m'en restait un petit peu pour ne rien gaspiller, ne rien jeter. Et ensuite, je vais enfourner. Une fois que c'est prêt, vous pouvez mettre
de la confiture par-dessus. Moi, j'ai laissé tel quel. J'ai dit, je vais laisser tel quel. Voilà, je ne vais pas rajouter encore de la confiture, encore du sucre. Je dispose un petit peu de partout. Voilà, qu'il y en ait vraiment de partout. Et ensuite, je vais enfourner. Voilà, comme je vous ai dit, il me restait de la pâte chocolatée. Pas de gaspillage. C'est après que je me suis rendu compte, juste avant d'enfourner. Voilà, il suffit tout simplement de prendre votre pâte à biscuit et de venir frotter contre la râpe. Thank you.
Qui dit poulet aux olives, bien évidemment, frites et des frites maison. Bon, elles sont pas aussi bonnes que celles de ma grand-mère, l'arhamha. C'est pas les frites de ma grand-mère qui sont bonnes. C'est pommes de terre du bled. Vous savez, les pommes de terre rouges qui donnent des pommes de terre croustillantes. Voilà, qu'on n'arrive pas à trouver ici. Mais enfin, avec ce qu'on a, alhamdoulilah. Rehana, qui vient me faire des petits bisous, qui vient me réclamer un petit peu. Et qui fait sa petite coquine. Rabbi hafadha. Ya Rabbi amin. Une fois que le poulet est cuit, je le retire de ma marmite, je le dépose sur une plaque parce que je vais le faire dorer. Voilà, ça sera un bon poulet rôti. C'est pour ça, en arabe, en fait, poulet rôti, voilà, djej mahammar. C'est exactement ça. Et pour avoir une jolie dorure, et j'aime bien aussi du goût, et une jolie couleur également, je viens mélanger du beurre mou, avec de la moutarde, et pour la coloration, et franchement, c'est pas piquant du tout, hein. Mes enfants mangent, et voilà, la petite a même pas 3 ans encore, j'ai mis un petit peu d'harissa, vous pouvez le voir, ça colore, mais franchement, ça ne pique pas. Je mélange bien, et je viens en mettre de partout. Alors d'habitude, je le fais avec un pinceau, mais là, j'étais pressée. Et puis je me suis dit, j'ai salé la cuillère, allez, on y va, on continue comme ça. J'en mets vraiment de partout et ensuite j'enfourne, voilà, pour, comme je vous ai dit, il est cuit, hein, le poulet. Là, c'est vraiment juste pour qu'il soit bien doré. Ensuite, dans ma marmite, je mets à l'intérieur des olives, ici, des olives qui viennent tout droit du Maroc avec le citron confit et c'est des olives cassées. Voilà, j'aime bien en mettre une bonne quantité. Et puis les enfants aiment trop ça, puis nous aussi. Elles ont un goût particulier quand même, ces olives. C'est pas comme les olives vertes, mais pas du tout. Ensuite, je mélange. Je vais retourner mon morceau de citron confit pour qu'il puisse diffuser un peu d'acidité aussi dans cette sauce. Je recouvre et je laisse tranquillement cuire et en même temps réduire la sauce. Il faut vraiment la réduire, moi pas trop, parce que voilà, j'ai des enfants, ils aiment bien saucer et ils aiment beaucoup la sauce. Alors voilà, je laisse un petit peu. Ensuite, bien sûr, je fais cuire les frites. Une fois que tout est prêt, c'est le moment de passer au dressage. Je dispose d'abord mon poulet dans une grande assiette et ensuite tout autour, je vais mettre, ou par-dessus, c'est possible aussi, pour lui donner un petit peu de jus à notre volaille. Moi, je vais en mettre tout autour de la sauce avec les bonnes olives et ensuite par-dessus, je vais poser les frites.
Après avoir bien mangé, rangé la cuisine, je vais préparer des crêpes mille trous avec plein de petits trous sur le dessus, vous allez voir. Et que avec de la semoule fine ou extra fine, soit l'une, soit l'autre. Moi, je travaille avec les deux. Et là, zéro farine. Vraiment zéro farine, c'est très très simple. Que vous ayez le Thermomix ou pas, il suffit tout simplement de bien mixer. Alors, il faut mettre tous les ingrédients dans le bol de votre mixeur. Généralement, je commence d'abord par les liquides pour que ça ne vienne pas s'attacher au fond. Mais voilà, vous connaissez la puissance du Thermomix. Alors, ça ne va vraiment pas s'attacher au fond. Sinon, si vous avez un blender classique, je mets d'abord les liquides, c'est-à-dire l'eau tiède. Je verse par-dessus la semoule, le sel, les levures, c'est-à-dire chimiques et boulangères. Je mixe bien, je recouvre directement comme ici. Je laisse dans le blender, dans le bol du mixeur. Je recouvre et je laisse reposer 15 à 20 minutes. Ensuite, je mélange bien dans le bol du mixeur. Je mélange bien, c'est vraiment très important. Et je viens cuire tout simplement, mais dans une poêle bien chaude. Je répète et j'insiste sur ça. La poêle bien bien chaude, on baisse le feu et à ce moment-là, on commence la cuisson des barils, des crêpes mille trous. Il faut que la poêle soit bien bien chaude, sinon vous n'aurez pas cet effet de petits trous et c'est comme ça qu'on rate les premières. Si vous ne voulez pas rater votre première ou votre deuxième, la poêle bien chaude, je baisse le feu et ensuite je commence la cuisson. Cette poêle, vraiment, c'est du rapide de l'express. Même si ils sont tout petits, et ben ça va super super vite. Je laisse cuire. Quand est-ce que c'est prêt? Comment on le sait? C'est que tout le dessus est cuit. Il n'y a plus cette pâte blanche. Regardez. Ici, il restait une toute petite goutte. Je laisse tranquillement cuire et ensuite, je peux retirer et je continue. Il est temps de partir, tout est cuit, j'ai réservé mes biscuits secs de côté, je viens couper en bandes et ensuite en morceaux, voilà comme ceci en biais et comme ça on peut bien voir les étages. Alors ça c'est vraiment le gâteau que ma maman nous faisait quand on était petite mais à 4 étages, voilà là il est un petit peu différent. Elle le fait à 4 étages, voilà. Et puis, quand je suis venue chez elle, à la maison, il y avait ma grande sœur. Elle m'a dit que maman a l'habitude de le faire au beurre. Bah, la prochaine fois, je vous ferai exactement sa recette parce que c'est quelque chose. Dès qu'elle partait quelque part, elle devait emmener avec elle ce gâteau-là, sa recette, que ce soit ici en France avec ses copines, les voisines, la famille ou même là-bas au Maroc. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets tout en barre de description. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Slama.